On doit se préparer d'abord mentalement, avant de tout aspect technique, tactique, physique. Les garçons sont prêts, ils ont bien récupéré. Comme je l'ai toujours dit, j'ai un staff médical exceptionnel. J'ai les 18 joueurs à ma disposition cet après-midi, 18 plus les 3 gardiens, 18 joueurs de champ à dispo pour entamer ce dernier entraînement et préparer l'équipe de la meilleure des façons possibles. Donc c'est un luxe. On va donc pouvoir toucher du bois, j'espère qu'il n'y aura pas de bobos cet après-midi à l'entraînement, pouvoir aligner la meilleure équipe possible. Maintenant, c'est ce que les joueurs vont mettre dans la balance. Il va falloir qu'ils mettent du lourd, comme ils l'avaient mis pendant tout l'Euro, et s'enlever de la tête que le scénario peut être déjà écrit. Non, le scénario, on va l'écrire demain soir, et c'est pas autrement qu'en l'écrivant demain soir qu'on va pouvoir se qualifier. Si j'ai fait venir tout le monde, c'est parce que je voulais remercier le staff médical devant vous pour avoir fait un boulot pendant 15 jours exceptionnel. L'histoire, je la connais. Je la connais si vous faites tous individuellement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on va gagner demain. Ok? On a fait un peu de séance tactique, on a travaillé sur tous les coups de pied arrêtés, où on a vu qu'ils avaient un peu de défaillance. Et puis après, on a fait un peu de jeu réduit, un peu de possession. Là, c'est élimination directe, donc on sait que si on perd, on rentre. Donc on va tout faire pour gagner. Et je vais affronter des ex-coéquipiers. Maintenant, je les connais, donc je sais que ça va pas être facile. Ils vont être revanchards sur la finale de l'Euro. Et puis il y a pas mal de changements avec un nouveau coach, donc ça va être très difficile. Ça défend très bien, tactiquement, ils sont en place. Je pense qu'il faudra être patient, parce qu'ils vont nous attendre. Et je sais qu'ils nous craignent, donc il faudra être patient et quand on a une occasion, il faudra la saisir.